et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Urakaza neza. Soyez toutes et tous les bienvenus en cette église Saint-Rémy. Nous sommes bien nombreux cet après-midi pour prier. Prier pour nos défunts, victimes de l'attentat du 6 avril 1994. Ce temps est un temps d'espérance, un temps de recueillement, un temps aussi de communion, si nous le souhaitons. C'est le Seigneur qui nous accueille, c'est le Seigneur qui nous inonde de sa paix. Je vous invite maintenant à vous asseoir et nous allons avoir un mot d'accueil par Léon Habyalman. Chères familles, chers amis, aujourd'hui, il y a 25 ans, jour pour jour, furent tués nos pères, mari, frère, grand-père. Ce jour fatidique du 6 avril 1994, dans un attentat terroriste contre l'avion qui les ramenait d'un sommet pour la paix. Cet acte ignoble déclencha de lourdes conséquences, non seulement pour le Rwanda, mais aussi pour la région des Grands Lacs africains et même au-delà. Nous sommes donc rassemblés ici pour unir nos prières en cette messe en leur mémoire. Nos prières vont également vers toutes les victimes de la tourmente qu'ont connu les millions de Rwandais et nos voisins de la région depuis des décennies. Les familles à Kinyeneye, Bagaragaza, Habyarimana, Sabimana et Sagatwa vous invitent à unir vos prières pour les nôtres, les vôtres, pour toutes les victimes de la tragédie en cette célébration religieuse en leur mémoire. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour leur vie passée ici-bas parmi nous et saluons leur bravoure. Puisse Dieu nous donner la force de continuer dans cette voie louable et puisse-t-il nous rendre justice. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Afin d'aimer Muri Christu, frères et sœurs en Christ, le deuil n'est jamais chose simple, car la mort d'un être cher est toujours une forme de violence. La mort nous arrache à la normalité du train-train quotidien. La mort nous fait réfléchir au sens de la vie. La mort nous fait prendre conscience de notre fragilité en tant qu'être humain. Alors que 25 ans ont passé depuis le terrible attentat du 6 avril 1994, le travail de deuil est encore loin d'être achevé, aussi bien pour vous, les familles des victimes de ce crime ignoble, mais aussi pour les millions qui en ont subi les conséquences au Rwanda, au Burundi, au Congo et encore ailleurs dans le monde. Lorsque la mort a marqué et abîmé l'humanité à ce point, la vie devient comme aspirée par le deuil et le souvenir des défunts reste braqué sur la violence des derniers moments. Nous le savons, notre pays, le Rwanda, avait connu une évangélisation qui était loin d'être superficielle. Un pays avec près de 90%, 90% de chrétiens. Et pourtant, nous n'avons pas su passer d'une morale personnelle, une morale basée sur la récitation des 10 commandements de Dieu et des 7 commandements de l'Église. Vous vous souvenez du catéchisme qui nous demandait de retenir par cœur tous les grands principes de la foi. Nous avons eu du mal à passer de cette morale personnelle à une véritable morale sociale. Nous n'avons pas su évangéliser en profondeur nos structures sociales. Et nous avons laissé l'Évangile coexister dans nos cœurs avec les sentiments négatifs engendrés par la longue histoire des conflits ethniques et régionaux. La haine s'est transformée en soif de pouvoir. La soif de pouvoir est devenue le désir d'éradiquer autrui. Je le crois sincèrement, tous les massacres qui ont endeuillé nos vies auraient pu être évités si nous avions su évangéliser en profondeur nos structures sociales. Que ce soit la guerre de 1990, l'attentat du 6 avril 1994, le génocide des Tutsis, les massacres des réfugiés Hutus dans l'est du Congo, les représailles de la guerre contre les infiltrés, et encore bien d'autres tueries qui ont brisé nos générations, parfois bien au-delà du réparable. Malgré cette violence qui nous chagrine, pour laquelle nous portons le deuil, nous pouvons espérer prendre un nouveau départ dans l'unité que le Christ nous souhaite.
Nous pouvons faire en sorte que la haine n'imprègne pas les jeunes générations. Cette haine que dans notre culture nous apprenons parfois à dissimuler si gracieusement. L'hymne à l'amour de saint Paul nous donne des pistes pour réfléchir concrètement, pour grandir, passer de ce qui est partiel à ce qui est complet, grandir intérieurement, intellectuellement. Il nous montre, saint Paul, comment nous pouvons être meilleurs les uns envers les autres sur cette voie de l'amour qui mène à l'unité. L'amour prend patience, l'amour en service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Ce n'est donc pas par un coup de baguette magique que tous les problèmes pourraient être résolus, mais avec la patience, ce temps nécessaire pour croître, grandir, la patience, la confiance, l'espérance et l'endurance de l'amour. Ce travail de réconciliation avec nous-mêmes et avec autrui, il est vrai, prendra du temps, mais il en vaut la peine. Car il nous permettra de révéler une meilleure version de nous-mêmes. Accueillons donc l'invitation de l'Évangile à donner le meilleur de nous-mêmes. Être meilleur, nous le devons vraiment à toutes les victimes, à tous les papas dont les photos sont ici devant nous. Nous qui sommes ici, dans le confort de l'Europe, nous avons en plus la possibilité de nous former, de grandir intellectuellement, spirituellement, de nous ouvrir au monde et de travailler ensemble à un monde meilleur. Empruntons la voie de l'espérance, de l'amour, de l'unité, comme le Christ nous le souhaite. Amen. Nous sommes réunis ce jour pour évoquer et honorer la mémoire du docteur Akinyene Emmanuel qui nous a quittés il y a 25 ans. Lorsque la famille m'a demandé de prendre la parole, les souvenirs se sont bousculés dans ma tête. Comment évoquer en si peu de temps son père, son mère, son mari, son frère, cet ami dont la vie intense témoigne et le témoignage d'Olumoun. Alors, j'ai décidé de partager avec vous ce qui est gravé dans mon cœur et dans mon esprit, et qui reste l'héritage le plus précieux qui nous a légué. Le docteur Tienne était un humaniste, au sens où l'être humain et les valeurs humaines étaient au-dessus de toutes les autres. Yakundaga Avanu Atavangui. Il aimait sa famille, ses amis et ses patients, tous sans aucune distinction. Il était l'ami des enfants. Il aimait dire Ngo, Ongundirabana, Gombakumukunda. Nos amis étaient ses amis. Pour le docteur Akinyeneye, la médecine était une passion. Il exerçait son métier avec conviction, force et courage. Il prodiguait ses soins à toute personne qui le sollicitait, du plus pauvre au plus puissant. Le docteur Akinyeneye était un homme de parole. Une promesse était sacrée. Il respectait, honorait ses engagements, quel qu'en soit le coût. Au moment où la tristesse tentait de nous envahir, à l'évocation de son souvenir, nous trouvons le réconfort dans ces quelques mots. Lorsque le corps est porté en terre, cela ressemble à des semailles, sommées dans un étang corruptible
et ressuscite et donne incorruptible. Se met humble et sans apparence, dans le mépris et le déshonneur, il lui ressuscite rayonnant de bonté et de gloire. Se met dans l'infirmité, la maladie, la faiblesse, il lui ressuscite sain et vigoureux. Corinthiens 15, verset 42-43. Kiyuke kandi n'abacu bapfuye mu kugo muryango wacu nabo twasabire ku mana utwumve nyagasani. Étant enfant, on ne comprend pas très bien ce qui est en train de se passer. On observe le remue-ménage qui se passe à la maison. Dehors, l'air n'est plus le même. On voit sa maman en train de se tordre de douleur. Personne ne vous explique, mais on comprend très vite que papa ne reviendra pas à la maison. On se pose des questions. Que s'est-il passé? Pourquoi? Pas de réponse. On se sent à peine reconforté après avoir pleuré, mais pas en public. Quand alors? À chaque moment où on se retrouvera seul, et ce, durant de nombreuses années. Pas un moment de répit. Il faut encore fuir. Fuir loin. Loin des événements en train d'être perpétrés. La route est parsemée de monde, vivants et morts. La vue nous fait oublier pour un instant notre propre malheur. Quelques instants, le chaos semble être partagé par tous. Tous pleurent un être cher. Tous partagent ce malheur. Un jour, on pose ses valises, quelque part. On essaie de continuer à vivre, comme on le peut. Mais les questions persistent. Pourquoi? Qui est le responsable? On cherche à comprendre, à trouver le responsable. La colère nous envahit, on cherche à se venger. On se dit que ce qui nous est arrivé n'est pas juste. Pourquoi cela nous arrive-t-il à nous? Qu'avons-nous fait pour mériter un destin pareil? À l'adolescence, on a déjà voyagé, vu le monde, avant de poser ses valises. Le chemin fut long, parsemé d'expériences et de rencontres. On n'est plus chez soi, mais on commence à réaliser qu'ailleurs, dans le monde, des personnes partagent notre peine, notre colère, sans connaître notre histoire. Le monde serait-il ainsi fait? Guerre, famine, crise de toutes sortes. On pense à baisser les bras, à se laisser aller, à laisser la haine accumulée prendre le contrôle et accomplir notre vengeance. Mais au fond, ce n'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite vivre. Petit à petit, on reprend goût à la vie. Une mère, un père, une sœur, un frère, un oncle, un cousin, un ami. Les personnes restées auprès de nous nous donnent la force d'espérer un demain meilleur. À un moment, il faut choisir. Vivre dans le passé
et de laisser avoir une mainmise sur nos actions quotidiennes, ou vivre dans le présent, avec la mémoire de nos chers, mais surtout avec la présence de ceux qui nous donnent la force de vivre et de construire un futur meilleur. Regardons dans la même direction que nos enfants et laissons-nous propulser par leur amour.
atari ku mu by'ukuri ngiyewe ahubwo ni ngiyewe utegekwa n'abantu barenze miliyoni 10 cyagiye ati kubera ko bose baba bavuga ati kuki udakuri kuki udakuri kuki adakuri iki mbese urumva ko ari umuntu wavuga ati ese ngiye nabigenzane kugira ngo buri wese yumve ko muzirikana ariko icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ko uko muzi yari umuntu ukunda abantu yari umuntu ukunda Imana yari umuntu uvuga amasengesho akaba ari nayo mpamvu natwe twagira twateranire hano tubwiye tuti tongere tumwibuke mu masengesho kandi nkaba mbashimiye ku mwaje kugira ngo twongere twifatanye nawe hanyuma twifatanye n'ababo bari hamwe muri icyo gihe kuri iyo tariki kuko nababwiye uko namumenye mu bihe bya mbere ariko no mu bihe bya nyuma nabwo ntabwo twashoboye kuvugana ariko ku munsi ukurikiyeho twagombaga guhura kugira ngo turebe ibibazo byo mu muryango kubera ko nyine hari umuntu nubwo yari perezida wa repubulika ariko yari n'umukuru w'umuryango yari umuntu mu bandi yari umuntu burya rero wicusha bugufi kandi ukunda abantu nta kindi rero nakongeraho icyo nabasaba no kugira ngo dukomeze twifatanye mu masengesho hanyuma tubibuke bose kandi n'abahanga bose bari kumwe nabo ndabibuka ko uko baba bari mu ikosi uko ndabonda kuko babanaga nawe uko nanjye nabanye nabo nagira ngo siwe wumvugiye wenyine nsabiye amasengesho nagira ngo n'abandi bose nongere babwira aho bari bose ko ngibibuka murakoze. Cela fait 25 ans que notre père, grand-père, époux, frère, oncle Deogracias Nsabimana nous a quittés au service de la paix pour sa patrie, le Rwanda. Aujourd'hui, nous le rendons hommage et le remercions pour son sacrifice. Cher papa, nous nous souvenons du jour où tu es rentré après une longue journée de travail, un peu avant ta mort. Nous venions de dîner en famille lorsque tu as pris la parole pour dire « Je suis l'être le plus heureux, car ce que je voulais accomplir dans ma vie, je l'ai accompli en servant mon pays et ma famille. » Cette paix qui illuminait tes yeux nous accompagne jusqu'à ce jour, car nous savons que tu as accompli ta mission sur terre. Au fil du temps, nous avons trouvé la paix dans cette terre d'accueil, la Belgique. Notre paix vient aussi de ta chère épouse, notre mère, qui a pris soin de nous après ton départ. Ensemble, vous nous avez légué d'être libres de nos choix et pensées, persévérer dans les épreuves, nous soutenir les uns les autres et surtout aimer notre prochain, peu importe l'origine, l'ethnie, la couleur de peau, la classe sociale, la religion ou autre différence. Nous prions pour toutes les personnes dans le monde qui recherchent la paix dans leur vie affligée de maux physiques, mentaux, émotionnels ou spirituels. Chers compatriotes, nous vous remercions pour votre présence alors que nous honorons la vie de notre père Deogratias Nsabimana. Aujourd'hui, nous prions pour tous nos frères et sœurs défunts dans les conflits vaines au Rwanda, en Afrique des Grands Lacs ou partout ailleurs dans le monde. Souvenons-nous des paroles que notre Seigneur Jésus-Christ
enseigna à ses disciples pendant son ministère sur terre. Il leur enseigna les deux plus grands commandements. Nous pouvons aussi les appeler les lois spirituelles, les lois universelles. Vous choisissez selon votre croyance. Mais ça disait, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous prions pour tous ceux qui proclament la paix, car en effet, ils seront appelés les enfants de Dieu. Chers frères, chères sœurs en Christ, Dr Martin Luther King a donné sa vie dans un combat pour la paix et la justice lorsque l'Amérique était affligée du racisme contre les Noirs. Sommes-nous loin au Rwanda avec le racisme qu'on a vécu entre deux ethnies qui ont cohabité pendant des années, qui se sont mariées entre eux, qui ont partagé beaucoup de choses dans la langue et la culture. Martin Luther King a dit et nous a enseigné, il a dit, la race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. Le moyen d'en sortir est l'amour. Cet amour dont on a parlé depuis tout à l'heure. Cet amour qui peut changer les cœurs, qui peut nous guérir de tous les maux. Lorsqu'il était sur le point de les quitter, le Seigneur a promis la paix à ses disciples et il nous a fait la même promesse. Mais il a dit qu'il accorderait la paix à sa manière, non pas à la manière du monde. Il a décrit sa façon de communiquer la paix. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Cher Papa, nous te remercions pour ton exemple de par ton vécu en humilité, amour pour ton prochain et service pour ta patrie au point de mourir pour ta patrie. Tu nous as montré que vivre est en fait être capable de se sacrifier pour ceux qu'on aime. Continue de veiller sur nous et que ton âme continue de reposer en paix. Prions pour que notre pays ne reconnaisse plus jamais le même drame qu'on a vécu et que nous puissions tous avoir cet amour. Prions le Seigneur. Gasani, reba nimpuwe umugaragu wawe Elisa Gatwa umubyeyi waduhaye kuri iyi si maze umwakire mu bawe turagushimira kubw'urukundo yadutoje ubwitange ukwiyoroshya n'ubusabane byamuranze mu mibereho ye yose bitubere urugero mu buzima bwacu bwa buri munsi maze turusheho kugukunda mana no gukunda bagenzi bacu mwakirane n'abandi bose baje bagusanga ari abamubanjirije abo yajyanye nabo ndetse n'abakwitabye inyuma ye maze natwe dusigaye abana abavandimwe n'inshuti amenye ko tuzahora tumwibuka dutegereje kuzongera kubonana nawe igihe kizuka turabigusabye nyagasani. Thank you.
Ok, Maurice Nsabimana, vous venez de célébrer la messe en mémoire de vos parents qui sont trépassés il y a 25 ans. Après 25 ans, quel sentiment vous avez? Bien, merci. Après 25 ans, le sentiment est partagé. C'est un sentiment à la fois de douleur, de souvenir, de compassion, de réflexion pour la souffrance qui s'est propagée au-delà de l'acte qui nous a réunis aujourd'hui. Donc nous nous sommes réunis ici pour nous souvenir non seulement des morts qui sont les nôtres, à savoir mon père et d'autres avec qui il était, mais toutes les victimes du conflit et des conflits qui ont enflammé la région des Grands Lacs. Et 25 ans plus tard, il y a beaucoup qui restent irrésolus. Oui, 25 ans après, le dossier judiciaire de l'avion dans lequel étaient vos parents restait toujours non résolu. Qu'est-ce que vous en pensez d'après l'évolution, les dernières évolutions? Ben écoutez, j'ai deux réponses là-dessus. Il y a 25 ans, quand on a commencé à se poser la question, et quand moi je me suis posé la question en tant que fils de victime, rapidement on m'a dit que c'était folie de pouvoir espérer qu'un jour on connaîtrait la vérité, sachant que par exemple on ne sait pas qui aujourd'hui est responsable de la mort du président Kennedy aux États-Unis. Et donc pour un petit pays comme l'Afrique, il n'y avait pas raison d'avoir espoir qu'un jour la question soit résolue. Moi je garde l'espoir. Nous avons connu beaucoup de tribulations. Le dossier évolue et a évolué dans des chemins tortueux comme beaucoup le savent. Je garde en soi l'espoir et un proverbe rwandais que je pense tout Rwandais reconnaîtra, qui est que Ukuri guchamuzi konigushye. Un jour, la vérité sortira. La vérité finira par sortir et nous continuerons à nous y atteler pour que toute lumière soit faite là-dessus. Est-ce que vous avez un message spécial pour cette commémoration de 25 ans? Là, je m'exprime à mon propre titre et peut-être au nom de ma famille, mais l'esprit qui nous a réunis aujourd'hui est un esprit à la fois d'unité pour le peuple rwandais. Le peuple rwandais a souffert et souffre bien avant le 6 avril 94 ou 94. Et aujourd'hui, la souffrance que le pays a connue, la tragédie d'une ampleur indescriptible, s'est répandue dans la région et a enflammé les pays voisins. Nos frères du Congo, par exemple, ont souffert d'une manière inconsidérable, mais qui est peut-être même moins reconnue que ce que le Rwanda a souffert. Et au bout du compte, donc, les 25 ans plus tard, beaucoup d'entre nous avons pu trouver une certaine paix intérieure, un certain repos, tout en gardant l'espoir que à la fois l'amour, le message qui a été partagé aujourd'hui, qui est celui de pouvoir nous apprécier les uns les autres, de pouvoir avoir de la compassion par rapport à soi-même et par rapport à la souffrance des autres, et bien que cela puisse se répandre dans nos cœurs et dans le cœur de la communauté rwandaise, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, et pour nos voisins également. Merci Maurice Nsabimana.
Sangari wo jo mungu, jo nyama.